داد بیزاری نباشه میونه پنجرهاشون دیگه دیواری نباشه. مرسی. Il y a quelques instants à peine, Fariba, son comité de soutien, Marie-Christine, Ariel et d'autres, nous avons décroché la banderole de notre établissement qui était là depuis l'été 2019. Rendez-vous compte. Cette banderole rappelait à chacun, étudiants, enseignants, visiteurs, salariés, que l'une des nôtres était en captivité. Combien sont-ils à avoir pénétré dans ces lieux depuis 4 ans sous votre regard doux et profond, cher Fariba ? Qu'est-ce que vous pensez de l'état de liberté académique ? Peut-être cette liberté académique, on doit aussi le réclamer dans nos cercles à nous. Il n'est pas question que les uns puissent définir ce qui est le sens de la recherche pour les autres. C'est cette idée-là. Donc. Intéressée par Sciences Po, j'ai entendu parler de votre combat il y a déjà 3 ans. Et c'est ce qui m'a motivée à rentrer dans cette école. Et vous m'inspirez beaucoup au niveau de la détermination et de votre combat, de votre courage. Et je pense qu'on est beaucoup ici à vouloir avoir la même volonté que vous. Non, ne me faites pas de moi une révolutionnaire, enfin une combattante, vraiment pas. Je suis un chercheur, enfin une en l'occurrence. Et donc, c'était malgré moi. Ça faisait 30 ans que je faisais ce métier quand je me suis arrêtée. Et donc, je me suis fait arrêter. Donc, dans ce sens, franchement, je peux dire que j'étais aussi, pourquoi pas, oui, inconsciente. J'essayais pendant, je passais des nuits entières à écrire pour dialoguer avec mes interlocuteurs, pour dire qu'est-ce que c'était la recherche, parce que pour moi, ils ne comprenaient pas, donc j'allais leur faire comprendre. Sciences Po.